Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Attendez, on va ouvrir un peu plus. Boum, c'est mieux. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il est super tôt, il est à peine 8h ou peut-être un peu moins. J'ai prévu grasse pâte parce que je me suis couchée vers quoi? 2h du mat peut-être? Vu que j'étais en rythme nuit. Et j'arrête pas de me réveiller là dans la nuit. En ce moment, déjà de base, je dors mal. Alors en ce moment, on est sur un level encore pire. Je pense que la chaleur et tout, ça n'aide pas, mais il y a d'autres choses qui n'aident sûrement pas. Là, du coup, j'étais réveillée, je vois, je reçois un SMS, votre colis arrive entre 7h45 et 8h45. Je savais que j'avais deux colis à aller chercher en parallèle, mais je savais pas que j'avais ce colis qui arrivait et je sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être une collab parce que je vois pas sinon. Oh, bah, je vais voir arriver, je me suis pas endormie évidemment, parce que bon, me rendormir pour ce colis. Par contre, j'arrive pas trop à comprendre comment il s'ouvre. C'est un petit truc, hein. Il est collé en fait. C'est Ravé qui m'envoie des nouveautés. Ah bah c'est très bien. J'aimerais bien là faire rangement et tout un peu partout et me refaire une bonne routine parce que là en ce moment ma routine visage c'est un petit peu. Hop, alors je mets ma crème de nuit, mais même le jour, des fois je mets même pas ma crème de jour. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Du coup, il y a un soin concentré anti-imperfection. Pas mal. Et sérum rétinol anti-marque. Donc ça c'est bien, je sais pas si on peut mélanger les deux, parce qu'il n'y a pas les mêmes choses à l'intérieur déjà. Déjà les deux ça à utiliser le soir, c'est pour ça que je me demande. Et les deux, faut mettre un écran solaire parce que c'est des choses qui... Ça augmente la sensibilité de la peau au soleil, voilà. Du coup bah grave cool, parce qu'il y a des fois ils envoient des produits qui sont pas du tout adaptés. Là pour le coup c'est deux produits très bien. Bref, moi je vais essayer de retourner dormir, je vous retrouve... soit si j'arrive pas à dormir, soit plus tard quand j'aurai redormi. Voilà, c'est bon. Bon, le gros fail, il est 10h27. J'ai pas du tout réussi à me rendormir. Il y a un moment donné, j'ai failli me rendormir. Sauf que ça sonne à la porte. Je me dis, bah non. Ah non. Et j'étais tellement, genre, quasiment endormie que, genre, je me suis dit, mais c'est dans mes rêves et tout. Bref, je me lève. Je vais ouvrir et c'était un menuisier. Il me dit oui, je suis menuisier, c'est bien chez vous. Je suis là-bas. Non. Genre, j'attends pas de menuisier. Personne n'est censé passer chez moi. Enfin. Et en fait, il allait à la barre d'à côté, quoi. Du coup, il m'a réveillé alors que j'étais vraiment genre à deux doigts de dormir. Et là, j'arrive plus à dormir. Du coup, bah, je me lève, je vais essayer de petit déj un peu. J'ai tendu une machine, je vais devoir la vaisselle. Voilà, des choses à faire. Et je pense que je vais pouvoir aller. Petit déj sur mon nouveau salon jardin que j'ai commencé à monter hier, je vais vous montrer. J'ai fait griller mon petit pain. On va ouvrir les volets déjà, il fait super beau aujourd'hui. Bon, si vous voyez, il reste encore pas mal de choses à faire. Je vais éternuer. Bon, si, oui, non. En gros, hier, j'ai monté. J'ai monté du coup la table. Bon, si vous voyez, il y avait des trucs collants, il faut que j'enlève s'il y a le scotch là. Bon, par contre, à mon avis, ça va être très salissant. Hein. Regardez ça. Voilà. Bref, c'est pas grave. J'ai monté du coup les 4 tabourets. Il y en a encore 2 qui sont à l'intérieur. Et j'ai monté un fauteuil. Donc, il m'en reste 5 à monter. Et en fait, j'ai essayé. Vous voyez, il y a les dossiers qui se mettent comme ça. Et quand tu veux le ranger, en fait, ça se replie. Et les tabourets, ils se glissent à l'intérieur et tout se glisse sous la table. Bref. Voilà. Du coup, ça va être cool. Il faut aussi que je m'occupe de désherber ces trucs. On ne peut plus racheter tellement ils sont gros. Et regardez, j'ai acheté une piscine. Il faut que j'achète une épuisette parce que du coup il y a plein de saleté dedans. Bref, et après le prochain achat ce sera le barbecue histoire de pouvoir bien profiter comme il faut de la terrasse. Voilà, on est pas mal là. Sans le moins de mouvement possible, moins de.
bon, j'ai fait une micro pause, j'en ai remonté. Il me reste deux à monter, donc clairement ça va aller vite. Je vais les mettre dehors. Je me suis mis en maillot, je pense qu'après j'irai à la piscine parce qu'elle commence à faire vraiment chaud. Ça y est, j'ai fini de monter le dernier. Alors, hop, un coussin. Et hop, deuxième coussin. Du coup, je vais vous montrer comment ça se range. Parce que, en gros, tout se plie. Ça, ça se... Hop, tu peux mettre ça. Par le coussin du petit tabouret. Hop. Le petit tabouret, il file là-dessous. Et le fauteuil. Voilà. Donc là j'en ai laissé deux sorties, mais sinon tout est casé comme ça, et si vous fermez tout, bah ça fait un gros rectangle. Et du coup j'ai une housse, et quand vous les mettez tous en gros rectangle, vous mettez la housse par dessus et c'est nickel. Donc ça, ça va être très bien pour l'hiver. Hop, elle est là, faut que je la mette dans un endroit stratégique. Par contre j'ai passé vite fait la tondeuse là, à un endroit, et je me suis déjà fait bouffer par les moustiques, j'en ai tué deux, mais il y en a encore d'autres. Voilà, j'en peux plus, les moustiques, c'est vraiment un enfer ici. Oh, ça gratte. Regardez, vous verrez peut-être pas, mais c'est un moustique tigre, je vois, il est tigré là. Vous verrez peut-être pas qu'il est tigré en haut. Je suis pas sûre que ça se voit. Bref, il vient de m'attaquer là. Là, il y a du sang, parce que je l'ai écrasé sur moi-même. Mais je crois qu'il m'a déjà piqué, parce que ça me gratte. Et vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a un qui m'a piqué là, parce que ça me gratte. Donc des fois, j'ai le temps de les tuer, mais la majorité du temps, non. Et eux, ils ont le temps de bien me piquer. Généralement, le matin, non. Mais là, cette heure-ci, là, ça y est, ils commencent à se lever, quoi. Gras ce matin. On m'a piqué là aussi. Il n'y a pas que des tigres, parce qu'il y a des petits boutons, des fois, et quand je les écrase, les moustiques sont juste noirs, ils n'ont pas de tigres. Mais il y en a pas mal de tigres aussi. Moi, si vous entendez, ils font des travaux en face. C'est un peu relou, mais bon. Je passe ma vie à me mettre de la crème sur les boutons de moustiques. Voilà. Pas être dehors 5 minutes. Et même quand j'ouvre un peu, ils viennent, de toute façon. Et là, je crois qu'il est le bouton. Bon. Alors, j'ai mangé quelques petites chocapics dehors. Là, j'ai trop de trucs à faire. Il est déjà 14h30. J'ai deux colis à aller chercher, je sais pas si je vais les chercher aujourd'hui. Je m'étais mis en maillot de bain, mais là le soleil il s'est grave caché. Je suis un peu déçue. Ça m'aurait fait une excuse pour rester dehors. Mais là il est sous un nuage. Oh, j'ai perdu l'habitude de vlogger, ça va pas du tout. J'ai sorti les poubelles. J'ai débarrassé de la vaisselle. Là, je faisais un petit restock de pâtes dans un bocal. Et voilà, globalement je suis en train de un peu tout ranger, juste je suis un peu lente parce qu'il fait chaud, je suis pas trop en forme, mais écoutez, mieux lentement que pas du tout. Voilà, il y a eu le soleil, mais bon, là j'ai pas le temps de me poser encore au soleil. Là on a du taf quand même les gars, et je regarde une petite vidéo de Squeezie en même temps. Voilà, là je vais nettoyer les petites plaques. Vraiment, j'en ai ménage, vraiment. J'ai tendu la machine. D'ailleurs, j'ai fait tourner le séchage pour les serviettes. On va aller les chercher parce que je l'ai fait tourner pas longtemps. Juste même 10 minutes, ça suffit. 10 minutes, un quart d'heure. Ça les rend plus douces. Donc, c'est pas mal. Chaleur là-dedans. C'est bouillant. Chaleur, chaleur. Et je vais aller les mettre dehors sur l'étendoir à linge. Et je m'étais bien évidemment ravillée pour descendre les poubelles. Je pense que j'irai à la salle ce soir finalement. Parce qu'il fait trop chaud. Puis il va y avoir du monde à sortir. Bon, je suis encore en train de ranger. Toujours aussi lente. Mais regardez la table, il n'y a quasiment plus rien dessus. Ça avance bien. Bon, il est 17h40. C'est l'heure de manger une glace. Il faut que je monte sur la terrasse parce que j'ai déplacé ici. Regardez, j'ai fait ce petit coin là. J'ai essayé de nettoyer le miroir, mais il y a grave des traces. Il faut que je nettoie avec autre chose. Là derrière, du coup, il n'y a plus grand chose. Ici, je rajouterai du coup la petite table que je vais recevoir demain, je vous montrerai. Et après, sur ce mur-là, j'avais rajouté une prise. Du coup, ce sera la prise pour le barbecue. Voilà.
Mais celui que je veux, il coûte un petit peu cher, donc je sais pas si je vais le prendre ce mois-ci ou pas. Je vous ai montré ce que j'ai fait d'ailleurs ou pas? Et avant que je me pose sur mon canapé, j'étais en train de ranger la salle de bain. Regardez, j'ai tout enlevé. Il y avait plein de coton-tige derrière la machine et tout. Quelqu'un a dû faire tomber à un moment donné une boîte de coton-tige et ne pas les ramasser. Voilà, il y en avait genre une bonne trentaine. Merci le gaspillage. Il faut que je passe l'aspi et tout là derrière. Mais j'ai mon aspi, il n'y avait plus de batterie. C'est sale. J'ai fait un tri aussi des shampoings et des produits qui sont là parce qu'il y a plein de trucs que je n'utilisais pas. Donc du coup j'ai rangé dans le placard, faudra que je fasse prochainement le tri de ce placard et le tri de tout ça. Et là l'objectif c'était au moins de ranger pour que la femme de ménage, je sais pas si je vous l'ai dit, il y a une femme de ménage qui vient demain, pour qu'elle puisse faire le ménage sans qu'il y ait plein de trucs. C'est quand même plus simple de faire du ménage quand c'est pas encombré. Et d'ailleurs elle m'a appelé au téléphone tout à l'heure et elle avait l'air lente dans sa voix. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui a un handicap ou quoi. J'espère juste, peu importe l'handicap, je m'en fiche. C'est pas du tout ça que je juge. J'espère juste qu'elle est plus rapide à faire le ménage que ce qu'elle, que la rapidité de sa voix. Parce que bon, j'ai pris 2h30 de ménage pour ma surface. Normalement, c'est ça devrait aller. Mais j'espère que ça ira. Je sais pas trop qu'elle peut faire exactement 2h30 parce que j'ai jamais fait dans cet appart là. On verra bien. De toute façon, principal, c'est le salon et la salle de bain, quoi. Bon, je vais vous montrer. C'est bien mieux. Ça, c'est parce que je vais retourner une machine de blanc demain. Mais sinon, il y a beaucoup moins de choses. C'est beaucoup mieux. On préfère. Du coup, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Bon, je vais pas trop tarder à aller à la salle. J'avais lavé des vêtements de sport. Je pense qu'ils doivent être déjà secs. Sous la chaleur qu'il y a aujourd'hui. Je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur. Aujourd'hui, c'est leg day. Et normalement, yes. J'ai mettre ça full black pour le sport aujourd'hui. Ça sent bon. J'adore l'odeur de la lessive. D'ailleurs, la lessive que j'utilise en ce moment, bon, j'en ai presque plus, mais c'est celle-là. Elle sent super bon. Par contre, mettre d'adoucissant et tout pour l'odeur, c'est incroyable. Bon, sinon, ce brassière, je l'ai pris en taille M, mais elle me sert. Vous voyez, elle est hyper. Elle est pas assez large. À deux doigts d'en recommander en taille L. Mais L quand même. Je suis pas une grosse poitrine, quoi, mais je me sens un petit peu serrée, quoi. J'ai dit, il est quelle heure? Il va bientôt être 20h. Je pense que je vais manger un petit bout de melon avant d'aller à la salle de sport. Que histoire de manger un petit truc, parce que sinon j'ai juste mangé ma glace tout à l'heure, quoi. Mais le melon, ce serait bien de le manger avant qu'il s'abîme, parce que ce serait dommage. J'avoue, j'ai bien envie d'un truc bien frais, là. Bon, je suis en train de manger mon petit melon. Il est très bon. Je suis en train de manger aussi un petit bout de chocolat, c'est pas mal en faire workout. J'ai mis mes petites chaussettes, j'ai mis des Hoshin Apart parce que ceux de la marque de mon ensemble, elles sont sales. Et les Hoshin Apart, elles sont épaisses, genre elles sont archi confortables. C'est trop bien. Bon, je vais y aller, j'ai pris un tout petit peu de workout, pas trop non plus parce que bon, il est tard. Et je m'en fous de me coucher tard, mais bon, si je peux éviter non plus de me coucher trop tard, faut que je me dépêche parce que la salle elle ferme à 22h. C'est où je vais aller ce soir. Et il est déjà 20h20. Donc cul sec et let's go. Allez, on y va. Toujours en claquette chaussette, hein. Ça bouge pas. Mais voilà, rentrée de la salle de sport. J'ai filmé des trucs pour Insta. On me suit sur mon compte Insta de sport si vous voulez voir. J'ai pas vraiment filmé pour le vlog. J'ai emmené le verre aussi là en rentrant. Là, j'avais de la bière sur les mains là, ça me dégue. L'odeur de la bière là, pas très envie. Mes mains elles sont en PLS, je vais vous montrer ça. Avec le soulevé de terre et tout, enfin la muscu en général, mais là particulièrement le soulevé de terre aujourd'hui parce que c'était séance jambes. Je vais vous montrer. Et encore ça se voyait mieux direct après la salle, là vu que je me lave les mains, ça ramollit un petit peu les croûtes. Mais là, celui-là là, je pense que je vais pouvoir l'enlever. Bref, c'est ça les mains de Gomuscu. Je sais pas quoi manger ce soir. Je sais pas si je me fais une petite salade tomate mozza. Parce que là en ce moment tous les soirs je mange pâte steak. Déjà on va commencer par ouvrir les volets. Parce que j'avais rien. Et là on va tout ouvrir pour aérer parce qu'il fait chaud. J'ai vu quelqu'un sur Insta qui mangeait une salade de thon avec du maïs. Ça m'a donné trop envie. J'ai pas de maïs. Pas de maïs pour Emma. Et j'ai pas envie de manger ça sans maïs. Donc je sais pas. Je vais arrêter ça. Il faut ça de
Hop, j'avais un petit reste de pâte hier soir, avocat, tomate, une demi-mozza, et j'ai rajouté huile d'olive, vinaigre balsamique et un peu d'herbe de Provence. J'aurais trop voulu rajouter des oignons frits là, mais j'en ai plus. Trop triste. Avec Odou, c'est que la première application est... Bon, j'ai fini de manger, je sais pas encore ce que je vais manger en dessert. Je vais faire tourner le lave-vaisselle ce soir et je vais mettre... Au lave-vaisselle, je mets régulièrement les... de la plaque là, parce que sinon ils sont tout gras. J'ai déplacé un meuble tout à l'heure en rangeant, j'ai retrouvé des petits trucs de nouvel an là. Je sais pas ce que je veux comme comme dessert. Je crois que j'ai pas pris les petits. Tu trouves comment Chicago? Bah moi j'y avais été en hiver, il faisait très... Bon, il va bientôt être minuit, je vais aller me laver les dents, je pense que je vais aller me poser dans mon lit, je sais pas si je vais m'endormir tout de suite, mais je suis mi fatiguée, mi envie de faire des choses, mais je sais que je serai pas efficace, donc du coup je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et on se dit à plus tard pour un prochain vlog.